Eh bien, le bonjour ou le bonsoir, un retour à Clermont-Ferrand. Un dernier regard sur la Seine. Bon, avant de parler de choses concernant le vol, on va faire comme d'habitude. On rentre, on démarre la machine. Alors, cold and dark selected. on enlève toutes ces choses-là. Voilà. Alors, la batterie, la richesse, le frein, la pompe. Cinq, ça sert à rien de pomper comme un Shadok si on n'a pas mis l'arrivée d'essence. Hop là. Ça monte. Ok. Avant que ça s'évapore, on regarde si on a bien le plein. On a du plein. On note l'horamètre. C'est parfait. On se met à 1200 tours. Les freins sont toujours serrés. Activer un peu. L'avionique. Ça tout à l'heure. TOS, system test OK. Bon, content. 9h43, c'est confort. Voilà. On arrête de faire bouger tout ça. Non, on va rester à l'intérieur. La carte, le vol du jour. Et j'ai mis à 21h45 comme prévu. Donc, décollage de Clermont, Sierra Echo, Amber, Le Puy, Garabi, et j'espère que je l'ai activé, normalement oui, et un atterrissage à Aurillac. On n'a pas de scène, une scène ici, une scène là, on verra bien. Donc, on va monter un petit peu au fur et à mesure. Grimper de plus en plus ici, carrément grimper là puisqu'on va franchir les montagnes, rester au-dessus pour ensuite seulement à la fin finalement redescendre sur du 2000 pieds à peu de choses près. Alors, comme on a pu l'apercevoir, météo réel, c'est pas top. C'est pas top, donc on va voir ce que dit alors le métard. De quelle heure? Il y a 16 minutes.
bon, il y a 16 minutes. Visibilité supérieure à 10 km en variable 2 nœuds. Visibilité supérieure à 10 km, 3800, 4500, 5002 pour du broken. 0,7, 3 degrés. QNH 1026, pas de changement significatif dans les 2 heures. Mille dix-huit. Ah, alors on va peut-être regarder la carte VAC qui dit 1092. Dit quoi? Ok, on va prendre la solution de facilité. Voilà. On recale le gyro. 1025. QNH 1026. Ok. Là, on est conforme. Bon, donc effectivement, on voit bien que c'est chargé, on verra bien la biroute, mais a priori, il n'y a pas beaucoup de vent. 7 degrés de température de point de rosée, il fait 3. Non, 7 degrés actuellement, point de rosée, 3 degrés. Humidité, 76%. Bon. Ok. Il a perdu la boule, quoi. Ok, ça veut dire que c'est variable sans doute. Alors, pour ce qui est du courant d'air à 2000 pieds et surtout à 5000 qui sera notre altitude de vol, on y voit toujours aussi clair là-dessus. Bourges, Clermont-Ferrand, ça doit être par là. On a un léger. Ah ben, on dirait que c'est là. Vent d'arrière qui peut augmenter selon là où on va. Par contre, en altitude à 5000 pieds ou à 710 000 pieds, fait le 100, ouais, ça pousse sévère. Et là, ça commence à pousser fort aussi. Donc ça, c'est sur la Windthème de 21h, de 18h, c'est-à-dire celle dans laquelle on se trouve en plein. Et la suivante, elle évolue comment? Donc, et, ah ben non, 22h UTC, ben on est plus dans celle-là, oui. J'ai des décalages horaires, moi. Ah, il y a moins de vent quand même. Ah, si, tout de même, là. On peut s'attendre à avoir un fort vent arrière. Tant mieux, c'est vent arrière. Côté prévision, donc là, on voit qu'on est ici. On est dans le A, qui dit broken, 9000 pieds. Bon, donc... à Clermont, on est en dessous de ça. Localement, des averses de la pluie, plus exactement, ou de la bruine. Givrage droit à 9000 pieds, donc un givrage modéré. Par contre, on peut aussi avoir V8 localement, V5 ou V1.5 avec des averses de pluie. On ne devrait pas aller dans la zone 2. Ouf, ouais. Je pense pas qu'on va aller là. Ça me paraît un peu trop bas. Mais si on se met à secouer, c'est qu'on est en train d'y mordre dessus. Avec un... des turbulences quand même. Des turbulences. Ça, c'était avant. Et on évolue vers ça, donc vers 22h. Là, on est plutôt sur ça, où on a toujours du 8 à 9000, putain, 10000 pieds, broken, scatter. Mais toujours des phénomènes comme ça, là, avec obscurcissement des montagnes ici. Ouais, je l'ai gardé sous la main, bruine, pluie. Obscurcissement des montagnes, ça veut dire que bah, ça va toucher le sol. Typiquement là où on sera, bah tiens le A, ça doit être Aurillac.
Donc dans la partie finale du vol ici, là, on pourrait très bien avoir zéro visibilité. Il y a Saint-Flour pour se poser, si jamais il y a besoin, à moins que je change de météo avant. Donc bon, voilà. C'est pas forcément top, hein. Mais on part quand même, puis on verra bien. Et on est en simu, donc on peut tricher. Toc. Alors, globalement, on a sur une couverture complète. Le vent au sol, il n'y en a pas des masses. Par contre, en altitude, 25, voilà, comme prévu, 25. Par contre, ce qui est intéressant, c'était de voir les visibilités. C'est où les visibilités? Pourquoi il me l'a enlevé, là? Non, c'est moi qui suis fatigué. Voilà. Brouillard, rien n'a pas. Sommet, base des nuages, voilà. Visibilité. C'est pas top par ici. C'est pas top par là. Donc Aurillac. Ah bah oui. Et base des nuages, sans pied. Donc on retrouve l'obscurcissement des montagnes. Par ici. Et là, ils disent 300 pieds. Donc on peut s'attendre à ce que ça soit sévère. Au départ de Clermont, par contre, viens ici là, 1800 pieds sol, 2400, on est à 1000 pieds, ça fait 3500, 4000, ouais bon. Donc voilà. On va garder la carte, on va se mettre en mode carte. Celui-ci, je peux le fermer. Alors, ce soir, j'ai fait un petit log. Mise en route à 21h45, prévu. Donc, Clermont, eh ben, on va faire LFLC. LFHT. Et puis après, bah, Aurillac, LFLW. Ok. Voilà, on l'a activé. Bon, on ne fait pas de phraseo. Donc je m'en occupe pas. Et si je veux mettre la carte, ça sera ici. Ouais, on dirait que c'est bien. Je sais pas comment il l'a orienté la carte, mais ok. 121 pour 29 nautiques. Ok, je connaissais pas ça. Bon. Côté température, tout il est bien. Alors température, c'est ok. Le fuel. C'est dans le vert, on consomme.
Très bien. Alors, ce sont réussi de pas oublier ce truc-là. Ah tiens, il est pas en top. Voilà. Je peux pas le réduire plus. Si. On a les pieds sur les freins. Et cette frein, ça fonctionne. Ah. La météo disait quoi? Variable de nœud, ok. Ben, je vais prendre la piste qui m'arrange. On est à 9h55, on va dire. Oups. Simple curiosité. Voilà, 2%. Donc, je pars sur la piste qui m'arrange le plus. Et on a un vent qui viendrait de la droite. Pas très important. Non, ok. On va quand même faire les essais moteurs. Essais moteurs, les pieds sur les freins. Table, pas de détonation, tout va bien. La piste est immensément longue. Même si on a un petit peu de vent dans le dos, on verra bien l'effet que ça fait ou pas. Un petit peu, ça commence à faire quand même. On essaye, on voit. Alors, voilà, puissance sur frein. Alors, on vérifie. Il est, bon, on va dire qu'il est 22h. La verticale, on va considérer que c'est la même puisque on part à cette heure-là. On peut enregistrer. On record, confirmé. Allez.
Le badin est déjà actif. Point d'alarme. On doit monter plus sévère que ça, on garde l'axe. Ok, 300 pieds. Ah ben j'avais pas mis la roue, la pompe. La première route prévue était un 95. Et une altitude de 3600 pieds au départ. Ok. Donc on cherche qu'à grimper. On va se prendre un petit 100 pour rattraper l'axe. Voilà, stable. Table en montée, tenue de route. Donc on est parti pour une distance de 16 nautiques. Donc une huitaine de minutes. Hop là. Ouais, 600 pieds. Voilà. Donc ces courbières à 3600, dis donc. Oh. Donc il faudra trouver une grande ville. C'est bon, c'est parti. On peut passer sur la carte suivante. Et ici, donc, ouais, bah, y a rien d'autre qu'une grande ville. Donc si on tient la route correctement, disons-nous, on verra une ville qui doit être celle-là. 4 dans la distance, peut-être pas ça, peut-être plutôt ça. Température, tout va bien. La route, on dévie, on récupère. Alors est-ce qu'on dévie parce que, je sais, il y a un vent ou parce que...
J'ai fait des. Je crée des effets induits. Par contre, l'altitude. Ah, alors il y avait aussi un peu de vent arrière, donc si on arrive un peu plus tôt, faut pas s'étonner. Donc. Ben voilà, candidat ville. 4200, ouais, ça te va. On est sur du 110, donc on est dans la. On est conforme. Voilà, j'ai plus l'habitude de cette sensation-là. On a quelque chose qui ressemble à une ville. Alors, ensuite c'est du 147 pour 17 minutes. Il est bizarre ce log. Donc là, la saison est réglée pour le mois de mai. Hein. Météo temps réel, mais tout le reste, c'est pour le mois de mai. Ah, le passager confirme qu'il y a une ville droit devant, et il y a même une rivière. Donc on va éviter de passer au-dessus de la ville. Et on peut chercher notre 147, une ville avec une rivière. Ok, et une rivière qui vient de la montagne d'en face, auprès de l'est. Je ne sais pas si ça sera indiqué. On a dit 147. Et il est 22h08, enfin 10h08. On est à l'heure, donc ça veut dire qu'on n'a pas subi de vent plus que ça. Ah, pénible ça. Bon, alors on simule comme en vrai quand on écrit des choses sur le log. On a la tête en bas évidemment. Alors là droit devant on a la montagne qui arrive. Ah, alors donc on avait bien une ville de la montagne. Donc on a une route qu'on va croiser, une voie de chemin de fer. 3600 ici, 3300, on est 4200, altitude prévue 5006. Donc techniquement, faut monter. Éviter d'aller sur la montagne aussi. Allez, hop. On reprend une route, voilà, plutôt un 140. Pleine puissance. Et on cherche à grimper là-haut. J'ai dit 5006, encore 1000 pieds.
Là, on a la vitesse de montée normalement optimale. Donc on a de l'eau, quelque chose qui est soit une route, soit une voie de chemin de fer. Hop là, j'ai redérivé à gauche. Ah bah ça se libère là, c'est bien. Hop là, on entend le moteur qui va pas. Donc c'est que j'ai tiré un peu trop sur le nez. Voilà, 140. Et j'ai repris de la vitesse. Ok, 5600 atteint. Ah, j'ai gardé novembre Lima. Ouais. Ah, devant, je dirais qu'il y a quelque chose qui ressemble à la ville. 2500. On laisse les forces aérodynamiques s'installer. 6 vitesses. Le trim est réglé correctement. Alors, donc, on a une route qui serpente ici. En dessous, on a des reliefs là, par rapport à un creux. On a la couche nuageuse qui se libère. Bon, ça va, c'est bien. Stable sur la route, je vois, ouais. Quelques degrés à gauche, sans doute. Alors, d'après le log, on en avait pour 9 minutes, donc 10, ça fait 18, moins 1, ça fait 17, ça fait dans 5 minutes. Alors, un premier patelin. Là, je vois donc quelque chose qui est assez haut en dessous. Je veux bien penser que je suis un peu plus tôt par ici que par là. Ça veut dire que je vais arriver, j'ai peut-être plus de chances de voir le terrain. Donc il y a la ville et le terrain au sud. 45 minutes de moteur, dont un quart d'heure en vol. Non, 30 minutes de moteur, dont un quart d'heure en vol. Clic, clac, ça va bien de ce côté. Altitude stable, route pas stable du tout. Ah, donc voilà, on a la vallée nord-sud et là on doit voir Amber. Donc dans 4 minutes. Bon, ben la météo est clémente. Faudra voir là-bas, mais ce que disait la TEMSI, c'est que ça avait l'air de se dégager quand même un petit peu puisqu'on avait du broken scatter. Qui pourrait être. Ouais. Donc en fait, à la base, je fais ce vol pour aller un peu observer à quoi ressemble cette partie de l'Auvergne. Les prochaines vacances. Donc en pratique, probablement plutôt par ici, donc la route qui est là, plutôt que de la tracer en direct. Ah oui, par contre, là, techniquement, on est en vol, et on évite de survoler les agglomérations. ...14 par rapport à 17, il reste encore 2 minutes. Donc ça c'est Amber, pas de doute là-dessus. Et on a bien un terrain.
Donc on est arrivé à destination de LFHT Anvers. On va respecter le vol pour le moment. Et après on va aller minauder un peu par là, c'est-à-dire prendre 2-3 bonnes minutes transversales, comme ça et comme ça. La route suivante, 176, allez on va dire 180, on va pas se fatiguer pour un quart d'heure. Ok, on est vertical et il est 10h15. Ah ok, non, c'était correct. C'est moi qui suis fatigué. Oh, je vais mettre ça. Donc le prochain c'est dans un quart d'heure, mais on va pas s'en occuper. Allez hop. Disons 16 même. Je vais faire carrément simple, je prends 90 à gauche pour aller vraiment sur l'est. Voilà, donc là en temps de déplacement dans l'axe il y a 0, donc tout le temps que je mets maintenant c'est du temps à ajouter au log. Si je mets 3 minutes d'un côté et 3 minutes de l'autre, ça fait 6 minutes. Donc ça veut dire que si je mène une route parallèle à 3 minutes de cet axe, je pourrais voler 15 minutes vers le sud avant de faire 90 droite. C'est pour la théorie. 5004. Alors on va plutôt mettre 10h16. Je dirais qu'on a le sol qui se rapproche. On va vérifier ça. 5400 ici, 5400 là. Ouais. Alors on va monter un petit peu. Rivière à droite. Voilà, on va s'arrêter à 6004. Ça fera du 1000 pieds sol. Enfin, par rapport au maximum. Hein. Donc on a le sommet de la montagne, enfin de la partie haute du relief. Ça forme un plateau, on a des villes. Accélération, on est juste à la limite des nuages. On va se laisser redescendre un tout petit peu, on réduit le moteur. Ok, pompe, changer à 35 minutes. Couper la pompe, tout va bien. J'aurais pu faire ça au-dessus d'Anvers, ça aurait été plus logique.
Donc 90, donc on est quelque part par ici, moi je dirais, puisqu'il y avait la rivière. Donc là, on va se prendre un 90 droite pour pas aller déborder de l'autre côté. Personne. Voilà, j'ai descendu 300-400 pieds, ça me paraît bien par rapport au nuage. Et on cherche le sud, on est au sud et il est 20. Donc on est à plus 4 minutes à peu près, plus le temps de monter. Donc on doit être en réel à 3 minutes d'éloignement du trajet prévu. Bon, alors si je suis sur ce genre de route là, a priori ça va, le point le plus haut 3500 ici. 5500, on est 2000 pieds, ça devrait être bon. Et on se garde une route au sud. Vario 0, route sud. Pourquoi ce vario négatif là? Sans dîneux. Tiens, un patelin avec un lac. Ici, un lac là. Donc là, c'est vraiment naviguer à vue. De toute façon, dans le pire des cas, ce qui va se passer, c'est qu'en allant au sud, on va tomber sur le puits en velay. Donc, soit il sera devant pile poil, si je suis bien 3-4 minutes, soit il sera à droite. Donc, en fonction de là où je le vois, je saurai si je suis là où je pense ou un peu plus loin. Allez, vue passager. Une rivière. On est à 4 minutes sur le quart d'heure. Pensez aussi que on a un vent à être supposé être dans le haut, donc on est peut-être sur du, on est sur du quoi là? Quarante grand speed, donc on est sur plus rapide. La distance de 26, 13, 12, on est sur du 11 minutes. On est parti à 20, on va dire qu'il en reste 6. 6 millions de vigilants. Ah, tiens, là on monte sur des reliefs et il y a de l'eau. On est toujours au sud. Pas de montagne devant. Alors,
On est à peu près à la moitié. Bon, c'est probablement la Hanse, là, ici, là. Et il y a une ville, Craponne-sur-Arzon, à droite. Allez, le passager, tu vois Craponne-sur-Arzon? Ouais, rien de trivial là, indévident en tout cas. Pilote 5004. Ah, une ligne à tension. Un peu de nuages, pas trop dense. On voit à travers, bien on voit à travers. On va le passer sans problème. La montagne est bien en dessous. Ah, on a repris une route légèrement sud-est, sud-ouest, pardon. Et à gauche, on a cette rivière qui s'enfonce. On dirait qu'il y a une ville là-bas. Ouais, ça s'enfonce. C'est une ville là-bas. Est-ce qu'il y a un lac? Pas, peut-être ça. Un faux passager, une petite ville et à nouveau une rivière et devant une ville beaucoup plus grande. Et à gauche une ville dans des entonnoirs. Si on est par là, ouais, une ville, des entonnoirs, quelque chose qui revient. Tendance à penser qu'on est un peu plus loin que ce qui était prévu. Il faut faire attention parce que non, quand même pas. 27, 16, 27, 10 minutes. Ah, si, quand même. Hein. Ça pourrait très bien être la ville. Bon, alors si c'est le puits envelé, il y a une grande route à gauche. Alors là, on a une rivière qui fait est-ouest. Qui fait est-ouest. Et on a des nuages devant. Puis Envelée est à 3000 pieds. Donc 2200 pieds en dessous de nous, 2100 pieds. On a des reliefs, ça se dégage, et devant on a quoi? Oula, 300, je vais pile ouest. D'accord, donc là je me suis, mais vautré royal. Bon, de toute façon, je voulais aller à l'ouest à un moment donné, donc il m'y a amené tout seul. On constate à peu près 9 minutes de vol qu'on est plein ouest. Donc on va se stabiliser plein ouest. Et on va voir ce qu'on a sur la gauche. Cinq cents pieds. Ok, grosse masse. Une grosse masse, on a une masse importante de villes là-bas.
4500 pieds, on va éviter de trop descendre parce que la montagne est pas loin en dessous. Allez hop, on se remet au sud. Pieds sol. Alors on fait route au sud. Bon, je vais prendre qu'on a environ une minute. C'est quoi ces machins roses là? Le moteur fait un bruit pas habituel. Alors le puits envelé, c'est beaucoup loin là-bas. Allez, virage à droite. Ça, ça doit pas être le puits envelé. Hein. Une rivière qui descend nord-sud. Et qui va bien au sud, loin là-bas. C'est la seule qui fait du nord-sud. Donc moi je pense qu'on est un peu au-dessus là. Ah ben, voilà. J'allais dire, on est un peu au-dessus. Ben ouais, finalement, on n'est pas ici, on est là. Ok. Il est 34. La route suivante pour aller à Garabi, c'est du 260. Sauf que je suis pas à la verticale, je suis pas loin. Ok, je serai parallèle à la route, légèrement au nord. C'est pas la peine de monter, nuage droit devant.
Donc on le contourne et on se remet dans l'axe. Bon, ben là il y a un peu de chance quand même, faut pas nier. Donc on a dit, bon, on va dire 10h, donc 10h34. Voilà. Et on en a pour 20 minutes pratiquement. Ça fait moins 5, moins 10, moins 5. L'altitude de sécurité pour la Garabit, c'est 5003. On est juste au-dessus. Bon, donc. Faut penser à se remettre dans l'axe. Parce que là, on est 210. Alors, pensez également qu'on a peut-être un petit vent qui vient de la droite maintenant, là. Donc, qui va nous pousser. Donc là, je suis 260. J'essaye de déterminer si on a du courant d'air. Visi devant, ok. Est-ce que le passager il voit derrière ou pas là? Je t'ai pas demandé ça, moi. Bon, alors, s'il prend cette attitude-là, je suppose qu'il y a du vent. Voilà, je mets sur un 270 franco. Et on passe des reliefs avec de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, relief. Garabit est par là, on doit être par là. Ben, l'allié qu'on voit en dessous. Décidément. Donc là, on traverse une zone qui est donc 6000 pieds, c'est bien. J'avais prévu 5009, donc ça va. Donc je disais, on traverse une zone qui est quand même assez dégagée sur la droite. Donc c'est forcément celle-là, donc on est quelque part par là. Ah, mais c'est pas vrai ça. Alors on repart sur les reliefs. Ça ressemble à une ville là-bas.
Voilà, bah tiens, il y a une ville là, Langeac. Bon, bah c'est certainement Langeac, donc on est juste au sud. On est par ici, donc là on a du 4700 devant. On est 6000, donc on est à peu près 1500 devant au-dessus. C'est peut-être bien ce que je vois là. Ok, on va essayer de tenir 2, 6 à 0. Tout en sachant que je me fais peut-être balader, donc. Parce que là, on entend qu'il y a du vent, en fait. Bien intérêt à mettre un 270 et le garder. Donc là on a droite une sorte de canyon, mais enfin de, ouais, je trouve pas de mot comme toujours, de gorge. Gorge, ça peut être ça. Langeac, ça peut être celle-là, ça peut être ça. Et sur la gauche, ça va. On est bien au-dessus de l'altitude de sécurité qui est 4000 pieds. On est 2000 pieds, donc on peut descendre si on a besoin. Ascension d'un coup là. Relief, vent vertical, poum, grosse pompe. J'ai pas perdu de vitesse. 270. On arrive à encore une demi-heure. Ça fait déjà une heure que mise en route de moteur. Donc un plateau, une gorge, on est parallèle plus ou moins à cette gorge et on roule, on est plein ouest. Plateau, une gorge. Bah tiens, il y a peut-être quelque chose là. Plein ouest, on subit des pompes éventuellement même. Un peu trop opaque, droit devant. L'horizon, c'est pas évident. Je vais juste baisser un peu les RPM. Voilà, je prends 30 degrés gauche. Ça l'incitera à descendre. Terrain ahead. Terrain ahead. C'est ballot d'entendre qu'il y a du terrain devant, perdre un peu de visibilité, mais là c'est du jaune donc ça va. Terrain ahead, terrain ahead, terrain ahead, Ouais, pull on est up. au courant. Terrain ahead, pull up. Terrain ahead, pull up. Terrain ahead, pull up. On va y faire confiance, hein. On a repris la route à l'ouest, on a repris de l'eau, remis de l'eau sous la quille. Qu'est-ce qu'il dit le passager à droite? Survole quelque chose d'assez important. Devant, on dirait que c'est plus de la plaine, on sortirait de la montagne.
C'est l'impression que ça me donne aussi à gauche. On est sur du 6000 pieds. Ah! Eh ben voilà. On n'est pas perdu. On arrive sur Garabi. Je sais pas s'il est aussi voyant que ça en réel, mais là, il n'y a pas de doute. Il n'y a même pas besoin de chercher. Alors, on avait 20 minutes, ça fait 54. Il resterait encore quelques minutes. On lui tient à monter, mais moi ça ne m'arrange pas. Alors, le puits, l'altitude de sécurité, 4000. Garabi, on est dans des... Ouais, pas haut, et derrière ça remonte. La route suivante, ça sera du... 260 encore. Qui c'est qui a dit qu'on passe dessous là? Donc 4500 pieds, c'est bien, donc on a l'autoroute. Oups, j'en descends là. Tendance naturelle. Il n'y a pas à dire. Ok, on est passé à 50 et on a dit un 250 approximativement. Voilà. Donc 48. Ouais, bah c'était un 49 bien frappé. Ça remonte devant. Et on part pour 18 minutes, hein, c'est-à-dire 33 nautiques. Altitude de sécurité 4000. Pour une route 260.
3009, la seule altitude de sécurité. Ah, la truyère de mémoire. C'est beau là. Heures en sécurité. Allez hop, on se met sur la route et on grimpe parce que là c'est bas quand même. On tire, on tire, on tire. Grand speed. Je veux pas être une brutasse, mais bon. Voilà. J'arrive pas à déterminer si on est poussé ou pas poussé, dans quel sens. Donc à gauche, on a la rivière. Bon, finalement, on a de la chance avec la météo. On va se stabiliser là. Et on va changer le carbu, on a de quoi tomber en dessous là, au besoin. Pompe. Changer de réservoir. Couper la pompe. Moteur stable. 2500 tours. 5004. 240. Un peu plus à droite. Ok, on voit ce qu'il y a derrière, pas besoin de bouger. Horizon, route. On a une ville. On est passé à 49, ça fait 6 minutes. Ça fait qu'on est à un tiers de la distance. Par là. Bon, ok, il y a du vent à droite. Petit village, rivière. Truyère. C'est quoi ça? C'est une rivière. Donc on traverse une rivière perpendiculaire. Étant orientée ouest tant qu'elle vient du nord. Sur un tiers. Ouais, tiens, ça peut être ça. Oh, ça peut être ça. Ouais, ça correspond. Un tiers, ouais, pas tout à fait.
Au-dessus, c'est plutôt de la plaine. Enfin, de la plaine, je me comprends. On est sur un plateau. Si on est sur du 4000 pieds, voilà. 3700. 4000 là-bas, ouais. Alors en Boudet, il y aurait Saint-Flour. Si à Saint-Flour en Boudet, on a les montagnes par là. Hier à gauche, à la rivière en tout cas. Part en bas à gauche, voilà, 5006, 100 nœuds grand speed, facteur de base 0,6, ah, j'ai reperdu mes 100 pieds. Alors, on a la rivière qui semble descendre par là. J'aurais tendance à dire qu'on est ici. On a du 6000 pieds. Tiens, on est au sud du pont du Cantal. Ouais, ça, je veux bien prendre en compte, ça. On est assez proche de la rivière avec... D'accord, donc là, j'aurais tendance à dire qu'on est plutôt par ici, là. Plutôt au sud. Et donc, barre-toi le truc là. Je vais reprendre Franco à l'ouest. Pas que j'aille plus à gauche qu'à l'ouest. Ok. Température dans le verre, pression, tout va bien. Réservoir, ok. Alors, en théorie, on est supposé arriver à 10, dans 10 minutes. Une autre rivière nord-sud. Plus de plaine.
des montagnes. Et quelque chose devant qui est pas top. Donc on garde la route à l'ouest, par contre on va descendre. Ah, peut-être qu'il y a ce fameux obscurcissement, ça m'étonnerait, mais... Ok, donc on va garder une route ouest. Il y a une trouée ici, on va voir. Sinon, on sait qu'on peut revenir demi-tour. On se retrouve dans une zone dégagée au sud de l'aérodrome qu'on en a parlé tout à l'heure. Donc là, j'aurais dit tout. Pas bon ça. Ok, 3600 pieds. Par là-bas à droite, ça se dégage. On est au-dessus de la montagne. Terrain ahead. Terrain ahead. Ah, tu vas nous en kikiner là. Je vais plus sur le nord-ouest. Ok, je peux reprendre la route ouest. Terrain ahead. Terrain ahead. C'est ce truc-là qui est plus stressant encore que le reste. Mais il a raison de gueuler. Encore 5 bonnes minutes. Là, on se prend de l'ascendance sérieuse, là. Ah. Voilà. Cuvette derrière. Et quand ça dit cuvette, on pense Aurillac. Puisque derrière, franchissement de montagne, boum. Et le terrain est au sud. Donc si je vois la ville à droite... 500. Ok, 500. On n'atterrit pas encore. Donc on est au minimum syndical. Non, non, pas de pull-up. Pour la vitesse. Pull up. Terrain ahead. Pull up. Terrain ahead. Pull up. Terrain ahead. 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 Donc là, on se laisse glisser dans des conditions difficiles. Pull up. Terrain ahead. Pull up. Terrain ahead. Pull up. Terrain ahead, 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 pull up. Mais il coupait son claquet, lui, là. Je sais pas comment on fait. Terrain ahead, terrain ahead. Terrain ahead, pull up. Terrain ahead, terrain ahead.
va chercher à grimper un petit peu. On doit être par là. Terrain ahead. Terrain ahead. Terrain ahead. Donc moi je voyais une trouée tout à l'heure, donc là je vais me rester à 3600 et retour à l'ouest, voilà, pour passer au-dessus du terrain. Il y a plein de choses qui fait qu'on voit pas ce qu'il y a écrit sur la carte. Ok, on n'aura pas l'enquiquineuse de voix Turin ahead. On va pouvoir réfléchir un petit peu en paix et on remet à l'ouest. Donc, on se met un retard de 3 minutes. On dit qu'on Turin ahead. Turin ahead. Terrain ahead. Terrain ahead. Terrain ahead. Terrain ahead. Terrain ahead. Terrain ahead. Terrain. En allant toujours à l'ouest, on va finir par retomber sur de la plaine. Donc il faut bien viser plutôt l'ouest. Ah, bah tiens. Ok. Grande ville tout en longueur, plutôt orientée nord-sud. Et il est 11h10. Ok, on est à Aurillac. Donc on va chercher une 3315. Là on est sur du 2000. Donc ça peut pas être autre chose qu'Aurillac. Hein. Trop grand pour ne pas être Aurillac. Il va où comme ça lui? Donc le tour de piste, la piste est à 2000 pardon. Terrain ahead, pull up. Terrain ahead. Terrain ahead. J'ai vu une route.
500. Merci. Il y a un truc qui brille. Oh bah. Aurillac du Fox Golf Alpha Mike, bravo, visuel sur la piste. A priori, je suis sur un axe, sur l'axe de la 33, 2500 pieds, plafond très bas. Je fais une basse, une verticale basse pour repérer la piste en service. La biroute, elle est par ici. Mike Bravo passe pour une verticale tour à environ 2400 pieds, donc 300-400 pieds sol. Bon, vu la longueur, j'aurais pu faire une longue finale, mais le problème c'est que j'étais un peu rapide, un peu surpris. Ok, on a un vent de travers qui vient de la droite, alors on va pas se fatiguer, on va se faire une... ok... On passe par là-bas, on va se la faire en main gauche, c'est ce qu'il y a de plus simple. Oups, j'étais pas sur la 33 mais sur la 15. Ok, donc là si je prends la 33, ça doit se faire en main droite. Bon, ben, je vais faire ça parce que là, je vais remonter sur la ville, sinon. Aurillac du Fox, Mike, bravo. Donc, je m'éloigne pour refaire une main droite sur la 33 en atterrissage d'ici 2 minutes. À contre-tour de piste, Fox, Mike, bravo, actuellement 2600 pieds. Ok, je suis en éloignement. Fox Mike, bravo, je passe sur une base main droite éloignée. On met la pompe. Fox Mike, bravo, visuel sur la piste en Google. Je suis sur une base main droite. J'ai mis la pompe, j'ai mis la réchauffe. On fait chuter la vitesse pour prendre les volets. La piste est longue. Aurillac, Fox, Mike, bravo. Je m'aligne en finale sur 500. La 33. Et je suis un peu bas, alors je vais en profiter pour tirer sur le manche, faire tomber la vitesse. Arc. Ok, un cran, deux crans directs. Aurillac, Fox, Mike, bravo. Établi final. Sur la 33 Aurillac. Ok, stable, vitesse contrôlée. Un poil bas, attention à la vitesse. Ok. J'avais qu'un seul cran, j'ai mis deux crans, attention la vitesse va chuter. Aurillac, Fox, Mike, bravo, posé, je roule, sortir en mode piste. Bon, alors on n'a pas de scène, c'est dommage. Ça ressemble pas. Enfin, il y a un terrain là. Structure, on voit la tour. Fox Mike Bravo à 15 secondes de libérer la piste.
Bon, enfin bon, en principe, quoi. On remonte les volets, on coupe la pompe, on enlève la réchauffe. Fox Mike Bravo, la 33 est dégagée. Je roule au pied de la tour au parking tour. Oups. La ligne jaune. Manque une tour là. Hop là. On s'est posé à 11-17, 11-15. Bon, bah, petit salut à Philippot et à Jean-Luc. Forcément. Tu veux, j'arrive encore là? Tu vas changer d'avis quand? Bon, j'arrête. Hein. Ok, Friend Park. On laisse tout refroidir. On va marquer l'heure d'arrivée. 11h15. Clac, alors. Aurillac, Fox, Mike, bravo. On va quitter l'écoute. Au revoir. Bonne fin de journée à tous. Donc, on met. On a coupé ça, on a coupé ça. Funnab, je sais même pas comment il se met. Ah ben, il a même pas mis de funnab, rien du tout. C'est pas sérieux. Voilà. 1h15 de vol. Continuez. Stop recording. Save dans Nvidia. Allez, vas-y, enregistre. Alors, on va se faire, pendant que lui il enregistre, on va se faire un petit débriefing, évidemment. Non, il n'a pas encore enregistré. Il s'est. Et donc. Voilà pour l'orimètre de fin. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est de l'export KML dans NVIDIA. Ok, enregistré. Et puis le CSV, on s'en fiche un petit peu. Donc, ça, on va le mettre de côté. On y reviendra dessus tout à l'heure. Là, ce que je veux faire, c'est voir ça. Outils, on coupe. D'accord. On n'est pas centré. Alors, que dit le vol? Donc on est parti, on était dans l'axe, on a plutôt bien tenu l'axe. On a vu Courbière, on est parti au sud, on était bien à droite. On a fini par y arriver, on a vu la ville, vertical terrain, en gros au plein est. Et ensuite, plus ou moins vers le sud, jusqu'à ce qu'on se fasse sérieusement déporter à l'insu de notre bonne volonté, pour ensuite venir plein sud. Donc j'avais le puits sur l'avant gauche, mais j'ai rien vu.
Donc je suis reparti sur l'ouest. Et c'est quand en étant ici, je me suis dit, ah ben, ou par là, ah ben tiens, le terrain. Donc on va dire un heureux hasard qui nous a amené dessus. Si on avait fait ça une minute plus tard, on passait au-dessus du terrain sans le voir. Par contre, on aurait sans doute vu la ville. Donc ensuite, ici, tenue de route à peu près correcte. Le garabit, pas de problème. Et ensuite, on a quand même un peu plus dérivé. Donc là, je devais être poussé. Tiens, on est passé au-dessus de ce truc-là. Fallait le savoir. Et ensuite, voilà. Ici, d'accord. Ah oui, je pensais qu'on allait arriver. Ouais, par là. Et en fait, ici, donc le demi-tour pour faire une prise de hauteur. Parce que sinon, on était trop bas. Je me suis dit, on va essayer d'y aller franco. Mais ça me paraissait quand même assez bas et hasardeux. Et l'autre qui gueulait. Ensuite, ici. Et quand on est arrivé par là, boum, j'ai vu la ville. Donc je pensais qu'on était au nord de la ville. Je voulais la contourner pour effectivement arriver au sud et vue du terrain grâce aux lumières. Mon avis en réel, c'est un petit peu machin, mais il y avait cette espèce de grand truc là, donc on va dire de piste mouillée qui reluisait entre guillemets. Bon gros coup de chance, ça fait pas tout à fait correct à mon sens, mais bon. Sauf que je sais pas pourquoi, je pense arriver sur la 33. Ouais, j'ai pas réfléchi. Et hop, demi-tour, pseudo tour de piste, en main droite à l'inverse, et on s'est posé. Bon, donc, ici. Pourquoi il fait du bruit? Alors, par contre, ce qu'on va faire maintenant, c'est ça. Juste. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on fait ça? Voilà, replay. Alors, on se fait un replay par contre. Alors, on fait un replay à partir d'ici, mais on va pas se faire ça. Voilà, ce qui est intéressant, c'est cette partie-là. Dans la mélasse. Alors, je le fais tout de suite parce qu'on est encore dans les météos réelles du moment. Si je le faisais demain, on n'y verrait plus grand-chose parce que les conditions seraient plus du tout les mêmes. Donc là, je pense qu'on doit être quelque part par ici. On était perpendiculaire dans les reliefs. Ah, quoique. Tiens, il y a de la ligne de tension là. Ouais, il y a de la ligne de tension là. Donc on est quelque part par là. Alors on peut faire aussi ça avec le replay. Où est-ce que j'avais vu ça? Donc pause. Résume. Donc finalement on est plutôt sur la fin du vol. Voilà, donc là on est sur le nord d'Aurillac. Oui, ok, donc on était plutôt par ici et pas là. Là. Eux-mêmes là d'ailleurs. Voilà, et donc on arrive sur Aurillac. Donc là en gros on peut visionner les 4-5 dernières minutes du vol. Est-ce que si je me mets dedans? Il y a ces espèces de trucs là qui se. Je sais pas ce que c'est.
Donc là, on était bas. Donc la route que j'avais vue et qui correspond à quoi? Bah celle-là. Et à partir de là, on est sur le terrain, sur notre avant-gauche. Voilà, il y a des rampes lumineuses là qui facilitent la tâche. Bon, de toute façon, je convergeais vers là-bas, c'était mon intention puisque j'arrivais. Ah oui, d'accord, donc j'arrivais bien par le nord, par contre je m'étais complètement gaufré sur les axes. Je les avais juste inversés. Donc c'est un peu dommage quand même, hein. Ok, bon. Voilà, on fait une pause. On avance. Mince. Donc là, en gros, c'est la pseudo-verticale. Sauf que moi, je pense arriver par là, mais évidemment. Donc je voulais voir la tour, mais je ne la trouvais pas. Et donc là, on est sur la passage verticale pour s'aller se mettre sur la vente arrière, la contre-vente arrière à ma droite. Pas une contre. Donc vraiment pas haut, hein. Encore rapide à ce moment-là. Altitude, ouais, 2600. On est 600 pieds sol là. Donc nous voilà bien en base. Ah, il restitue même les lumières, c'est bien ça. Un cran de volet. Ah, on dirait que je contre du vent de gauche, puisqu'il y avait un vent latéral. Effectivement, vent latéral. Le contre, sans même en rendre compte. Ouais, léger de latéral. C'est important de face quand même. Donc là, j'avais un petit peu de mal avec la vitesse puisque je suis passé deuxième cran de volet très tardivement, mais un toucher correct. Bien. Il refait même ça. Stop replay. Ah oui, d'accord. D'accord. Ah, il nous remet là. Bon. J'espère qu'il compte pas tout ça.
Bon, continuer. Bon, ben ça. On découvre les choses. Alors, stop replay. Oh là là. Calamiteux ce truc-là, faut faire gaffe avec ça. Bon. Donc, on va sortir du simu. Et dernière chose qu'on peut regarder, puisque j'ai la trace. Récupérer le KML, choisir le dossier. Donc on a dit qu'on était dans ici, voilà. On importe. Et en direct, on voit le trajet effectué. Fabuleux. On met la couleur qu'on veut. Voilà. On applique, on ferme et hop là. Donc là, on va voir si on a respecté les villes jaunes. Ouais, ça tombait juste. Ici, là, on est passé juste à côté. Donc 3200, 3500. Donc on a vu quand même. Donc là, c'était bien la Hanse. Comme j'ai vu, j'avais bien analysé la situation de la Hanse. Ici, je cherchais l'espèce de lac là que je n'avais pas vu. Ça et encore. Ensuite, arrivé ici, et la surprise de se retrouver plein ouest. Clac, clac. Vision du terrain. Ici, tout va bien. Le Garabit. Par là. Donc, il y avait une ville à droite. Ouais. Clac. Allez, on pourrait dire qu'on a mordillé ici, mais là. À ce stade-là, petit détail. Puis attention à rester en vol. Et voilà. Bon, bah c'était encore une expérience intéressante, finalement, la météo réelle. Et sur ce, bah on va se quitter et on se dit à la prochaine fois. Je ne sais pas où on ira, j'ai une petite idée, mais je ne sais pas encore ce que certitude. Bye bye.